Et tout le monde, c'est Benef, on se retrouve aujourd'hui dans notre quatrième épisode sur Légion Craft. On avance doucement, je vais vous montrer ce que j'ai fait un petit peu, parce que du coup j'ai bossé un peu en off. Hein. Alors, voilà, déjà cette belle usine maintenant avec tous les quatre pylônes là pour faire joli, hein. Ça sera après décoré, je pense, ça sera entouré de. J'ai ma petite idée, hein, mais. Alors moi. Ça sera entouré, pardon, de feuillage qui tournera autour, comme ça fera un truc un peu joli. Je vais monter en haut pour vous montrer. Vous voyez que ça a été refermé ici et que ça. C'est actif. C'est réellement actif. Je vais vous montrer rapidement. Là, il n'y a pas un mob du coup. Je vous montre rapido. Vous voyez qu'il y a de l'eau partout. Ça va bientôt s'enlever. Alors là, j'ai une zone de lumière. Je ne sais pas pourquoi. Tant que ça s'enlève, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Là j'ai une zone de lumière. Je. Ok, donc c'est juste vraiment un bug. Bon, ok, c'était juste des bugs, mais ça comptait comme de la lumière. Voilà, du coup, bon, c'est bon, j'ai réglé les bugs. Donc voilà. Là, l'usine est prête, elle est faite. L'eau s'active tous les. La cloque est pas du tout au point, hein, là-haut. Je vous le dis, mais c'est fonctionnel. Nickel. Alors, on commence par ça. Fortune 2. C'est correct. Efficacité 4. Que demander de plus sur une hache? Un breaking, j'aurais dit pas non, mais je vais prendre Tiltouch. Ça va plus nous servir qu'autre chose. Protection, on est pas mal. Alors, on a quoi là-dedans? Infinity Breaking 3, protection 3, faire protection. Ah, c'est pas génial. C'est pas génial, mais c'est déjà mieux. Donc, et voilà, comme ça on la prend, et comme ça on nous fera plus. Ah non, c'est pas la même. Oh, c'est bot du. C'est quoi ça? Ah, il y a plusieurs trucs là. D'accord. On va voir ce que c'est. Le bot du farmer, ça m'intrigue un peu en fait. On empêche de casser vos cultures. D'accord, tout bêtement. Bon, c'est pas con, hein. Alors, warp coffre. Alors, ce que je vois, ça joue, ça joue, ça joue. Est-ce que on me laisserait jouer ça? Oui. Alors, look ephemerode. C'est quoi? Clé journalière, c'est bien parce qu'on peut avoir du charbon. Clé XP, c'est bien parce que j'ai plus d'XP. Bon, bloc de fer, bon, à la limite. C'est déjà ça. Alors, journalier. Du charbon et encore du charbon, yes. Qui était dedans. J'ai eu combien? 10. Ça peut claquer un petit 25 là. Encore 10. Ah, rien, donc à 45. Un 20 du coup. Et pas 25. Là, arrête-toi là. Oh, rigole. Ah, 15 000 pour ça. Je pensais que c'était 5. Pas grave, hop, on se lâche fille d'un coup. Du coup, ah, du coup, voilà, ça c'est cool. Je vais pouvoir les mettre dans le compresseur. Ça, c'est des blocs buggés, à mon avis, qu'ils ont passé à travers. C'est pas normal que ce soit comme ça. Bon, écoutez, on se retrouve plus tard. Hein. Je vais remplir ça tranquillement. Vu que chaque épisode va s'étaler sur une semaine, de toute façon, comme vous l'avez compris. Je vais remplir ça, je vais avancer pour notre armure en slime que je crafterai avec vous. Mais voilà. Du coup, bah, on se dit à tout de suite. Je clique là et je vais pas pouvoir cliquer une deuxième fois.
Je suis obligé à chaque fois d'aller rechercher le truc. Du coup, ça peut être un peu long quand même. Genre là, sur 30, ils vont m'embêter. Alors, si je me rappelle bien, truc du genre. Ok. C'est bon, le plastron. Ensuite, pour faire ça. Ok. Je vais regarder pour le reste parce que je suis moins sûr. Ok, et les bottes, c'est là où... D'accord. En fait, le casque et les bottes, c'est quasiment la même chose, c'est juste le placement qui change, c'est ça. Là, je regarde les bottes. Nickel. Et pour finir... Alors, on a vu qu'on a eu de la vitesse, ça s'est vu. Ça se voit qu'on a récupéré un peu de vitesse. Et on a du jump boost. Oh, c'est grave cool. Yes, ça va être terrible quand même. En plus, elle est en fer, donc elle a une bonne résistance. Et Unbreaking 4, bon bah voilà, c'est nickel ça comme armure. Ça va être une belle armure, du coup. On peut coupler avec ça, ça peut être rigolo. La porte est prête. Que dire de plus? À part qu'elle est prête. Je vous montre, rapido. Alors, elle est pas très belle à l'ouverture, je pensais que c'était un truc spiral, mais pas du tout. Mais hop, je vais arriver. Et je m'excuse pour le petit lag. Hein. Voilà, donc la porte est prête. Elle est prête. Elle fonctionne très bien. Donc bah c'est nickel. Maintenant, il va rester à faire le contour de tout ça, parce que c'est moche. Vu comme ça. Alors, juste devant, je pense que dans le style de maison que je veux faire, on va encadrer ça de bois. 1, 2, 3. Je vais y arriver. 4, 5, 6, 7, ça fait très haut, ça fait une belle maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, du coup vous voyez que ça s'allume là-haut. Il va falloir C'est relou que ça s'allume là-haut. Parce que je peux pas vraiment faire ce que je veux du coup. Et ça, c'est un peu relou. Alors, devant, on va faire une espèce de parvis, en fait. Comme ça, rapido, là. Un petit parvis, hop. Et puis là, ici, on va mettre ça comme ça. Hop, je vais les enlever. Il faut que ça s'enlève. Ah, le speed ça me dérange pas, mais le jump boost c'était un peu lourd. Alors, et vous voyez que du coup c'est un truc qui se... comment dire... C'est un levier. Moi je préfère les boutons pour ouvrir les portes, c'est mille fois mieux. Alors, autant de l'intérieur c'est pas un problème, on peut faire un petit système dans le toit je pense. Autant... oh, je sais. Alors, on va build tout ça. On s'occupera après de la porte, entre guillemets. En fait, là, je voulais laisser ça comme ça, mais je vais pas pouvoir le laisser à nu. Juste là où je peux, sans problème, laisser ça comme ça, je crois. Je vais voir. Qu'est-ce que ça donne, là, si je referme? Oh, je vais remettre mes bottes, parce que du coup, on va se remettre à build dans 2 secondes.
Alors, ouais, non, ok, c'est pas beau. Je fais gaffe. En fait, c'est que... Comment dire? Soit je recule le truc. Le but c'est que ce soit 5 et qu'on arrive à une colonne à peu près pareille et que je fasse... Parce que là du coup j'en ai pour un bon bout de temps de build. Je prendrai peut-être pas à la fin mais au milieu, je sais pas, je verrai. Du coup à tout de suite. Alors, que je vous montre, bah, vous avez vu rapidement. Déjà la porte, je vais vous la montrer, ça ressemble. Actuellement elle ressemble à ça. Elle est sympathique, elle est jolie. Et puis même quand c'est fermé, je me suis arrangé pour que du coup ça soit joli, symétrique et tout. Donc là c'est plat. C'est les escaliers, enfin voilà, c'est le même pattern, mais du coup la porte est très sympathique. Je vais casser ce levier pour que je puisse mettre mon flip-flop en route. J'ai peur que ça fasse n'importe quoi. Alors, que je réfléchisse. Je pense que si on couvre comme ça, ça devrait être bon. Je vais vous montrer rapidement l'intérieur, on fait vite fait le flip-flop. Alors. Si ça veut bien fonctionner. Oh, excusez-moi pour le petit lag, ça va passer. Vous ne voyez pas, hein, mais j'avais un lag. Ah, qu'est-ce qui est. Hop. Ah oui, il faut que je vous montre ça aussi. Hop, /TPIS. Que je vous montre rapidement ça. Attendez, parce que hop, si je veux faire les choses à peu près bien, que là je foute ça comme ça. Pouf. Là, enfin, il y a vraiment aussi une redstone qui va partir d'ici. Pardon, gars. Hop. Voilà, ça devrait être bon. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il me manque juste un petit truc. C'est un... Ouais, c'est ça, ça fait pas passer le courant. Ouais, d'accord. J'ai vu un truc tomber par terre. Qu'est-ce qui... Mais ce mec est fou, il me donne plein de trucs. Je crois que c'est lui qui m'avait donné plein de fer aussi. Je vais vous montrer, il m'a donné un truc plus qu'intéressant. Et du coup, on va faire... déranger, ouais, jusqu'à 5 carrément. Ça permettra d'entasser pas mal de trucs, hein, les trucs moins importants en haut, comme ça on mettra les trucs un peu plus importants en bas. Et voilà en fait. Et là on fera une jolie déco du coup entre les coffres. Avec des blocs, hein, tout bêtement. Hop, et du coup cette salle sera la salle machine. Bon écoutez, moi il commence à être tard. Je vais vous laisser ici pour cette session. De toute façon, on se retrouve dans un instant pour la suite. Hein. Je sais pas ce qu'on fera. Je pense qu'on déplacera les machines et on. Je vais comment dire. Je vais farmer un peu les coffres, j'allais dire le bois. Je vais farmer le bois. Et puis j'aurai sûrement déjà commencé à déplacer des petites choses, des petits outils et tout. Et du coup, je rappelle le projet pour cette île là, qui est mon île principale en fait, tout bêtement. Faire une grande tour avec peut-être la table d'enchant. Mais voilà, faire une grande tour, un peu le centre de l'île. Pourquoi pas foutre un end crystal dedans. Ça peut être faire une espèce de RP quoi autour de cette aventure. Ça peut être sympa, ouais. Du coup, à tout de suite. Merci pour moi, ça sera demain. Du coup, c'est perturbant. Voilà, voilà, tout de suite. Carrément, c'est sur le build de la vidéo. Alors, je propose un petit truc un peu comme ça. Faut voir en fait ce que ça donne quand c'est entouré de coffres. Mais je pense que ça peut faire un truc un peu sympa. Je pense que ça peut être cool. Hop, et de l'extérieur, bon, c'est très moche. C'est très moche parce que c'est pas encadré. Je pense que... Attendez, parce que du coup... Ah ouais. Alors. Je vais mettre ça parce que j'en ai avoir besoin. Non, non, oui.
Hop. Bon, ok. Alors. Ok. Peut-être tenter un truc comme ça. Tenter un truc comme ça et puis ensuite retenter peut-être un... Tenter un pattern en fait sympa qui puisse encadrer la fenêtre et qui puisse encadrer encore à côté après autre chose peut-être. Mais du coup je le démarre sur une fenêtre. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, je sais pas. Le mieux c'est de le tester comme ça, hein, sur deux fenêtres, comme ça on est sûr. Hop, craft. J'ai besoin d'un petit peu de barrière. Alors. Alors je sais pas si ça s'entendait, si ça va s'entendre dans la vidéo, mais je m'excuse dans ce cas, il y a eu quelqu'un qui utilisait une disqueuse, machin, je sais pas quoi, pour couper je sais pas quoi là dehors. C'était pas très agréable. Alors c'est là où en fait on va avoir en plus un gain de terre qui va intervenir, je pense. Mais voilà, d'où l'avantage d'avoir fait juste d'abord un machin, parce que ça j'y aurais pas pensé sinon. Craft. Peut-être tenter des dalles comme ça. Bon, je vais en faire pas mal. Alors, on va fermer ça. Alors, comment elle est? Oh! C'est pas prévu comme ça. Même pas vraiment. Autre chose pour là, c'est à dire pour bah ouais, mais non, du coup, mais attendez, si je ah oui, voilà, c'est parce que je l'avais pas mis dans le bon sens, c'est plus logique comme ça. Et puis là, retenter peut-être un truc comme ça. Et puis là, l'idée serait peut-être de mettre. Alors derrière, de mettre de la cheese LED. Est-ce qu'on est symétrique à l'intérieur ou pas? Oui, donc ça c'est nickel. Rouge là, ça va suffire. Je pense pas. Il va falloir que je mette de la glowstone aussi au milieu pour éclairer le truc. Puis là c'est la grande question, glowstone ou... oh si, peut-être. Glowstone ou... comment ça s'appelle redstone lamp. C'est pas tout à fait le même design quand même. Ah bah si, ça rentre nickel en fait. Alors, non seulement c'est la grande question, ça va être... Ah mais non, du coup, tous les 5. Puisque du coup, j'ai géré le truc comme ça. Du coup, c'est cool. J'ai bien fait. Hop, je dois avoir un petit peu qui traîne. Là, c'est pas mes blocs. J'espère que j'en ai. Je sais que j'en ai. Ah là, voilà, j'en ai. Okay. Hop, déjà, c'est un peu plus de gueule avec du rouge comme ça. Alors, ouais, on va mettre comme ça. Bon, au début, ça sera pas vraiment. Hop.
J'avoue que je sais pas ça éclaire de combien ces trucs là. Mais au moins voilà. Et puis comme ça j'ai un milieu entre deux. Donc un milieu qui est là, hein, du coup, qui sera à chaque fois entre chaque. En fait entre chaque vitre, la moitié de chaque vitre, puisque ça c'est par rapport aux vitres, vu que je m'étais adapté par rapport au charbon encore une fois. Ce que je n'ai pas fait là. Ce que je n'ai pas fait là, ce qui est une erreur d'ailleurs. Je viens d'y penser. Ah ouais, ça fait moche. Oui, donc en effet, je vais refaire cette partie-là. Oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais du coup, voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Bon, écoutez, on va refaire une ellipse et puis on se retrouve après une fois que j'ai modifié notamment la partie-là et que j'ai avancé un petit peu la zone-là. Je vais essayer de déplacer les machines. Tout de suite. Le truc, donc ce sera nickel. Non, on va d'abord éteindre le feu. Pour éviter tout accident débile. D'accord. Je vais me chercher. Vous voyez que du coup j'ai aussi déplacé l'usine à Cobble qui est déjà bloquée. Bon, tout va bien. C'est la fête. C'est insupportable. Je bloque comme ça, c'est vraiment insupportable. Hop. On va devoir déplacer ça aussi, j'ai recherché juste après histoire d'avoir juste le stuff là qu'il faut pour faire les machines. Et pas mélanger les pinceaux dans mes trucs. Ok, donc je vais prendre ça, comme ça on est sûr. Donc on a déjà ça c'est la base de tout. On va avoir ça avec ça dessus. Ça avec ça dessus. Ensuite, on a des machines à 3, je crois, plutôt. On va avoir un truc comme ça, qui s'appelle le compresseur. Il y aura plusieurs étages hein, pour la salle des machines, c'est sûr. Il faut que j'éclaire tout ça. On va le faire. On va rajouter des... Déjà, je ne sais pas éclairer au milieu. Il y en a une autre machine qui ressemble à ça. Je crois. Et on doit avoir une autre machine, une dernière machine. Hop, je vais voir. Machine basique. Donc, établi amélioré, on a fait. Forge d'armure, concasseur d'or, il est devant nous. Compresseur, on l'a fait. Et il va me manquer juste la fonderie. Ah ouais, juste la fonderie. Alors, la fonderie, ça devient un peu plus complexe. Excusez-moi. Du coup cette fonderie on va la l'automatiser un petit peu comme on avait vu là sur l'île de je sais plus qui. Je vais prendre ça, je vais prendre ça, j'ai pas besoin d'autre temps du tout hein, mais c'est pas grave. J'ai besoin d'un petit cobble plutôt. D'un petit observer et d'un petit dispenser parce que je dois utiliser l'outil et pas juste le jeter. Du coup, c'est nickel, j'ai ce qu'il faut là. Petit dispenser, voilà. Hop. Et alors là c'est ma grande question, c'est de quel côté s'envoie le signal, ça j'ai jamais compris. On va vite faire un petit test. Alors, à première vue, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Okay. Ça envoie le signal du côté où il y a une espèce de poudre rouge. Ce qui est logique, me direz-vous. Mais c'est pas évident. Et du coup, ça envoie le signal, du coup, ça... Ok, donc c'est dans l'autre sens. Ça regarde vers l'extérieur. Oups. On a cette espèce de système, là. Ok, on devrait être bon. Alors là, ma question c'est pourquoi. Ok. Du coup, on est bon pour ça. Pourquoi il envoie deux tics? Bon, c'est pas très grave. Hein. Il l'allume, tant qu'il l'allume, moi ça va. Là, c'est embêtant.
pourquoi il... Est-ce qu'il crée des variations? Je pense que c'est à cause de cette poudre là qu'il doit réactiver un truc. Non? J'ai mis quoi en dessous? J'ai mis ça. Ok, pas de raison. Ça fera l'affaire pour l'instant, hein. Je veux... Ouais. Bon, c'est pas très beau derrière, hein. Ça sera refait après, de toute façon. Je vais avoir la glowstone qui traîne. J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup, ça m'embête un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, logique. Pourquoi ça fait ça? Je vais essayer en mettant un répéteur ici, parce que j'ai l'impression que peut-être que vu qu'il passe devant, je sais pas. Ah mais c'est sur le côté donc en fait on s'en fout. Bon. Je vais le laisser comme ça. Ça a pas l'air de dépenser le truc donc ça me va. Ah putain je peux casser les torches du milieu. Hop je peux rajouter un peu de lampe là. Non zut celle-là m'a placé. Voilà. Puis je devrais pouvoir en mettre une là aussi et une là aussi. Il va me manquer deux et puis là il faudrait que je fasse deux même. Ah non là j'ai mis des torches pour éclairer. C'est vrai donc ça suffit. Hop, du coup j'ai nickel. J'ai ce qu'il faut. Alors, là c'est le grand moment où il faut bien réfléchir. Parce que c'est pas évident de faire un escalier en colimaçon. Hein. Je vous le dis, c'est vraiment pas évident. Alors, soit j'ai l'option comme ça, soit j'ai l'option plus comme ça. Qu'en fait c'est là où ça va être droit et c'est là où ça va être comme ça. Comme ça je trouve que ça fait un beau tournant, j'aime bien, c'est sympa. Passons comme ça, on va juste mettre ça et ça à côté. Attendez, en fait, je vais pas aller tout en haut. Si c'est un premier coffre, on va mettre là pour qu'il soit à disponibilité des gens. Je mettrai un là, un chaque coin, là, comme ça. Trois au stack. Bon, c'est ce qu'on va faire. On va faire trois au stack. Du coup, il faut que je fasse. Shop. Quantité. Donc, on part sur du stack. Prix 3. Et Godef. Ok, et là, faut le frapper avec ça. 64 pour 3 légios. C'est ça. Je pense qu'après je le. Le granit j'ai un peu de mal en rose. Rose rouge comme ça là c'est étrange je trouve. Alors que la diorite ça passe plutôt bien. Hop, comme ça voilà, on a un joli cadre. Et du coup. En fait. Je viens de penser que si on est logique.
Il nous faut un petit peu. Il faut que je vote. Hop. On ira chercher ça juste après. Un petit peu de cobble. Ce que je fais en fait, c'est que je craque une pioche en diams à chaque fois quand je vais miner. Comme ça, pioche en diams classique. Ça me fait plein de cobble. J'ai une bonne réserve. Oups. Pas devant moi. Le micro était en train de tomber. J'étais en train de bailler. C'était un peu la merde. Hop, c'est bon. Du coup, c'est bizarre, il y a presque pas de son. En effet, il y avait presque pas de son. Ok. Du coup, en fait, là, on devrait avoir un truc comme ça plutôt. Avoir un entourage normal. Ok. Et alors là, alors la grande question, ça va être est-ce que je mets la dirt au niveau, un niveau en dessous, donc au niveau de la cobble là, ou est-ce que je la pose dessus? Moi, j'étais prévu pour la poser dessus. Mais ce que je veux voir, c'est que si je la pose dessus, donc du coup, ça veut dire que je mettrai de l'eau ici, que ça couvre bien toute la zone. C'était mon but en fait. Hein, pour pouvoir faire une récolte automatique. Oui, ça semble bon. Ça semble bon, il suffit de rajouter une couche en fait par-dessus tout. Hop, il va falloir que je ferme le gravier du coup pour faire cette zone là. Et du coup, après à gauche ou à droite, je sais pas dans quel sens on fera. Hein. Gauche, il y aura canne à sucre et cactus. Et à droite, il y aura. Pastèque melon, et du coup, ici on aura blé, carotte, patate, betterave. Ça doit faire quelque chose comme ça. Et avec à chaque fois à l'intérieur, c'est creux que je vous montre. J'ai fait un truc creux, et du coup, à l'intérieur, il y aura sûrement un accès par je sais pas où avec des accès au coffre. Puisque là, il y aura tout le long, si je me mets là-bas plutôt. Tout le long ici là, des hoppers pour ramener tout ça à l'intérieur et récolter donc où, toutes les ressources. Et là faut qu'on fasse absolument ces entourages. Voilà, c'est le projet pour cette petite île, on va le continuer tranquillement. Il me reste pas beaucoup de gravier par contre. On m'embête un peu. Hop. Ça. Comme ça. Ok. Ce qui traîne. Genre quelques bûches, quelques machins. Les bûches, ça va. Hop, et ça. Voilà. Et de la glowstone aussi. Ouais, je suis allé en chercher un petit peu aussi la dernière fois. Je m'étais refait un casque. Donc, on va le démarrer plutôt de l'autre côté. Alors, il va me falloir des. Oh, pourquoi pas utiliser des barrières, mais pas en spruce du coup, pour faire un peu contraste. Contraste. De toute façon, ça tombe bien. J'ai des oak fence. Alors. Je pense pas qu'il y ait besoin que ça aille plus bas que deux blocs. Mais du coup, okay, il faut que je fasse ça intelligemment. Est-ce que.
Je tenterais bien un pattern un peu différent comme ça. Ça ferait très bizarre. Et on a besoin d'un truc hyper massif. Si bien là le problème. Hop. J'en ai plus, j'en ai encore là-bas. Je reste toujours un dans le coffre, hein, par principe. Il y a un petit peu de lag là. Ça se ressent pas dans le build, tant mieux parce que ça aurait été le plus relou de toute façon. Ça se ressent dans les commandes. Bon. Check-up. Check-up de loin. Et là je me dis qu'il faudrait peut-être pas que j'aille si bas. On va peut-être remonter de un bloc. Il pleut là. Pour que l'Enderman ait pété un câble, c'est qu'il pleut. Ouais, il pleut. Ouais, c'est ça. Il fait trop forme de V. On va le remonter. Alors. On ne sait pas récupérer ça. Non. On va le remonter de un bloc et on va le mettre à plat. Quand je dis un bloc. Un bloc quoi. Ce sera mieux. Je pense que ça fera un truc plus sympa. En fait, autrement déjà, je vois, si je fais pas un bloc comme ça, je vais avoir du mal à placer ceci. Et ensuite, du coup, je peux mettre des accroches plutôt genre là. Donc au milieu où je trouvais en fait que ça faisait pas hyper joli. Hop. Voilà, je pense qu'on est mieux. Je pense qu'on est clairement mieux. Ça manque un petit peu d'éclairage. Faut qu'on voit pour en rajouter. Ouais, on est bien mieux. On est bien mieux. Alors, ok. Et bah au début déjà du pont on peut foutre ça. Faudra voir ce que ça donne sans ça. Je pense qu'on est pas trop mal. Hop, je regarde quand est-ce qu'il disparaît, Night Vision. Ça va jusqu'au bout. Ça va jusqu'au bout. Tristos. Attention. Attention, attention. Qu'est-ce que je pourrais mettre tout simplement une dalle. Hop. Comme ça. Bah c'est pas mal là. Il fait nuit en plus donc c'est pas mal. On voit bien. Hop ouais comme ça nickel, ça se différencie bien. Bah je suis assez fier de ce pont, on va le voir de loin. Ah là c'est pas mal. C'est pas mal, comme ça on a un vrai pont. Nickel. Bon écoutez, moi je vais faire du coloriage et puis on se retrouve après. Quand je suis colorié, on va remplir cette terre. Tout de suite. Je suis toute moche. Hop. De là.
Pardon. Il faut que je fasse ça. Hop. Hop et hop. Hop, du coup on est bon pour ça. On va voir ce que ça donne maintenant. J'étais sûr que j'allais le louper. J'étais en mode mais pourquoi c'est fermé? C'est vrai que j'ai fermé juste avant. Alors, bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ça permet de d'habiller un peu tout ça. C'est plutôt pas mal. Angel qui se balade. Bon, je pense que pour cet épisode, on va se laisser ici. C'était un bel épisode. Moi, en fait, vu que je travaille sur toute une semaine, là, en fait, on est lundi soir. Le premier record, je le fais mercredi soir dernier. Enfin, du coup, voilà. Du coup, ça me paraît long avec tous les records que j'ai. Je dois avoir une quinzaine de records, je pense, à assembler, qui durent plus ou moins longtemps. Et mais du coup voilà, ça fait des rushs en tout de 2h30. Et ensuite je redécoupe tout. Le dernier épisode est très long, mais il sera peut-être pas toujours aussi long. Je vais essayer de vraiment de garder que les moments intéressants. Et ben on a bien avancé pour cet épisode, hein. On a pas mal avancé. On a une jolie tour. On a une jolie maison. On a ça. On a l'usine à mob qui commence à être jolie. Et puis là ça commence vraiment à prendre forme. Donc voilà, du coup, bah, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur LegionCraft, donc legioncraft.fr, LegionCraft.fr, classique. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est un beau serveur, c'est un serveur qui est pas mal. La seule petite critique, c'est que parfois il y a des lags, mais ça va, ça se règle assez vite. Du coup, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça me ferait plaisir. Et puis, voilà, merci encore, et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.